Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Spell, pardon, on est toujours en live. Oui, on est en train d'essayer de faire la dernière nuit de Gingleberg. Donc du coup, comment ça se passe? On a ici une harpie. Ça commence pareil, Chobiti ou Chloé. Exactement, oui, c'est tout à fait vrai, Kenton. Donc oui, Chobiti hein, qui rejoint l'aventure à la place de Chloé. Donc, régulièrement, ils vont nous invoquer des bébés harpies, là, des Alérions. Qui vont bah, essayer de nous emmerder, hein, tout simplement, qui volent, etc. Et qui sortent des crevasses. Qui font des jets de fiente pour diminuer les dégâts et les mouvements. Et les grosses harpies, il y en a trois, vous voyez qu'on a trois nids. Hein, elles vont descendre en fait, une par une. Donc dès qu'il y en a une qui descend, il y en a une autre qui arrive. Et il faut qu'on les défonce à chaque fois qu'elles descendent pour faire venir la suivante et gagner la partie. Si on arrive à toutes les tuer, on gagne. S'ils arrivent à détruire le truc, bah ils détruisent le truc. Alors, comme il nous disait, les ennemis arrivent à l'infini, donc c'est important de les gérer pour faire en sorte qu'ils ne nous tuent pas. Mais c'est pas non plus fondamental. On va essayer déjà de s'occuper de ces connasses. Voilà, ça c'est fait. Ah, ils sont un chouïa trop loin, dommage. Ça, ça tire beaucoup moins loin. Bon, tant pis, je pouvais pas vraiment prévoir ça. Alors ici... Alors ceux-là, ils sont bien costauds, forcément on se les tape. On n'a plus de points, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un de nos trucs? Pas vraiment, ça je le garderai pour tirer sur ceux qui passent là vu qu'on n'a pas de distance ici. On a juste notre petit tir rapide là. Qui peut quand même commencer à engager un peu. On va rester pas trop loin de l'action avec elle. Ici, alors, ici on a quoi comme portée? 3 à 8 de portée, putain elle est loin. Mais si on se rapproche elle va avoir envie de nous taper dessus en fait. Donc on va direct commencer en mode bourrin avec une foudre. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, un petit projectile. Ah dommage, on en rate un. Oh, c'est moche ça. On est remonté à 3 points d'action avec les bonus quoi. Et on va par là. Comme ça elle va nous voir et venir vers nous. Donc on n'a pas eu de harpie de ce côté là, c'est cool, on va pouvoir se concentrer. Alors ici on a toujours notre initiateur. On est un petit peu loin. Il y a le rocher qui nous cache malheureusement. Donc tant pis, on va devoir s'approcher. Ah, le problème de l'initiateur c'est que quand on fait beaucoup de dégâts, bah on les tue hein. C'est terrible. Franchement, les tuer, c'est une catastrophe. Scandale quoi. Allez, ventile. Voilà, c'est ça qu'on veut. On va reculer un peu parce que ce pack là va avancer. Donc ici, on a un point. On va utiliser notre compétence d'armure, tant pis. Et c'est parti. Donc elle va s'envoler. Et elle va apparaître quelque part. On sait pas où. Couvre vos têtes, elle va redescendre d'un instant à l'autre. Alors ça approche, ici il nous tape. Là il va nous balancer sa fiente qui va nous enlever un petit peu de dégâts et un petit peu de vie malheureusement. Donc elle faut qu'on la tue. Y'a pas photo. Voilà, c'est fait. Ici on a une belle boule de feu à faire. La boule de feu avec les critiques qui fait plaise. Ok. Est-ce que je claque un peu de mana pour une compétence de plus? Non, je vais attendre d'avoir la harpie éventuellement en vue. Hop là, ici. Ah, on en a tué un, dommage.
Dommage, dommage. Lui, on peut pas lui remettre de poison, mais il n'y a pas besoin plus que ça. Dommage, bah tant pis. On va quand même diminuer un peu celui-là, comme ça il créera du poison. Ici. Ah, il est trop loin l'autre con là. Faut que je vienne là. Ici. Ouais, du coup lui est pas à portée. Zut, je peux pas avoir les trois quoi. Tant pis. Alors toi. Ouais, tu vas manquer un peu de dégâts forcément. Hein. T'as un peu de portée aussi. Oh la vache quoi. Au secours. Mets du poison. Ok, il va crever. Dis donc Chobiti, pas Chloé, mais va falloir y aller un peu plus efficacement que ça. Alors, s'il te plaît. Ça m'embête de pas lui faire mal à lui, mais bon, il va venir quand comme il veut. Hein. Ah, il nous reste ça, tiens, c'est vrai. Ok, bon. On va lui mettre un coup de marteau. Pour le plaisir du marteau. Et on va rester là pour encaisser. Ici c'est bon, ici c'est bon, et ici c'est bon. Au niveau des trucs, on peut avancer un peu là. Là on est bien placé. Alors, où est-ce qu'elle va? Ok, ici. Ça tombe bien, on a bien nettoyé, va falloir qu'on se focus à fond sur elle. Et là, l'initiateur va être très très bon, parce que l'initiateur en fait... On peut l'utiliser sur les mêmes ennemis. Ok, elle va booster ceux-là, ils vont s'approcher un peu plus par contre, ils vont avoir deux de mouvement. Ça va. Ça va, ça va. Ok. On va commencer là. Tir puissant. Le tir puissant. 600 points de dégâts. Ça fait plaisir. 5. Ça me paraît pas mal. On va lui mettre un petit poison. Deux poisons. Ok, elle va crever dans un tour. On a tout cramé. On va donc faire un peu mal à un qui se pointe par là. Et on va reculer. Franchement, c'est propre. Bim. Oh, dommage ça. On va stun. Et il faudrait qu'on aille s'occuper de ces petites saloperies, mais je pense que ça va être un travail pour Chobiti si elle peut. Ouais, pas mal ça. Celle-là est loin, on ira la chercher tout à l'heure. T'es à portée là, ok, donc on n'est pas à portée là. Est-ce qu'on nous claque un brasier? Il nous reste un point, on peut claquer un brasier. Voilà, parfait Chobiti, ça c'est propre. Ici, il faut qu'on s'occupe de ça, mais aussi de ça. Ils sont tous isolés. Ce qui n'est pas idéal pour nos sorts. Pas mal. Par curiosité, là on fait 89-126, là on fait 108, ok, donc on va plutôt utiliser ça. On va se contenter de les endommager pour l'instant. Juste pour qu'ils avancent pas trop. Histoire d'aller nettoyer ça. Parfait. Est-ce qu'ils sont à portée? Non, missile magique c'est 2 points d'action donc ça sert à rien. Sauf si j'en gagne. Si je dépense 3 de mana, je regagne un point d'action. Donc je pourrais faire ça. Un missile magique, est-ce que c'est bien utile? On n'est pas trop menacé. On va laisser se paquer un peu.
ici on a tout fait, ici nous reste plein de points d'action. Allez là. Oh, le manqué. Et je pense qu'on va rester dans le coin là, parce que à mon avis ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser les rôles. Shobiti va tenir ce coin là parce qu'il y a le trou là qui emmerde pas mal Canton. Et Canton il va s'occuper des gros packs qui sont là. Ok, est-ce qu'on claque ça? Un marteau de la foi, non ils sont pas assez paqués. 30% d'esquive, si je fais ça, il y a de l'esquive. 25% d'esquive, rien, ça vaut pas la peine. Tu viens là. Ok. Voilà, elle a pu 0 avancer. Bon, ok, elle nous fait un petit saut dessus. C'est jamais agréable. Ah, là, elle nous diminue les DPS. C'est pas grave, on joue pas sur les DPS. Hein. La petite fiante sur Shobiti. Toujours agréable. Ah, il y a des archers. Ça, c'est pas cool. Donc, toi, t'es mort du poison. Pas la peine de s'emmerder. Là j'utilise pas l'initiateur parce qu'il faut se débarrasser des ennemis qui sont trop proches. Ça nettoie tellement bien. Est-ce que tu peux balancer une flèche là-dedans? T'as encore deux points d'action, on va certainement pas les perdre. Voilà, parfait. Tu peux encore avoir quelqu'un qui s'approche jusqu'à toi, c'est qui? C'est lui là? Non, tant pis. Ici, Canton. Mets du marteau, mon cher. Voilà. Y en a qui progressent un peu, mais Shobiti va pouvoir s'en occuper. Après qu'on claque un peu de magie là. Ah dommage, ça on va dans le vide. Là on va dans le vide aussi. Là on n'est pas super bien placé pour ça, mais si on progresse... Oh t'es pas mort. Un PV quoi. Le casse-burne. Voilà. Merci de mourir quoi. Ici, hop hop hop. Et sur lui... Sur lui. Et on commence à faire du dégât de poison mine de rien. Alors, Shobiti. Parfait, tu nettoies ça. Ah, 19 points d'esquive ici. Ah, mais tu verrais que t'as ça, j'avais oublié. On peut enlever l'esquive. Voilà, ensuite tu t'approches. On va envoyer un petit brasier dedans. Parfait. Elle est à portée, mais de qui? De toi. On va la reculer et gérera cela au prochain tour. Broudaf. Broudaf, il commence à y avoir du monde en tas là. On va enlever un peu d'esquive à lui. Ah, on n'a pas de ligne de vue à cause du connard devant. Ok. Nettoyons le connard devant. Très bien. Je veux lancer une foudre sur l'archer là. Ouf, on lui a tellement pas fait mal. Ok, ça c'est mieux. Alors il nous reste un point d'action, on va dégager ça et je pense qu'on va cramer un peu de mana. Regagner deux points d'action, balancer une boule de feu là-dedans. On en a manqué un, dommage. Il nous reste un point d'action du coup. Voilà, attends, Broudaf il fait le taf, hein. C'est pareil. On a des très bons héros là. Ouais, je fais des rimes. Ok, donc la première harpie est morte, on a une deuxième qui arrive. Et bonjour Player One, bienvenue sur le live. Je te félicite pour la qualité de tes vidéos, j'ai découvert avec tes deux let's play de The Last Spell. Du coup j'ai acheté le jeu, je regrette pas, encore bravo. Je reste pas sur le stream car je veux pas me faire spoil, j'attends avec impatience tes prochains épisodes. Et ben écoute, merci beaucoup pour ce message, c'est très gentil. Et ça fait bien plaisir de l'entendre. Et je comprends tout à fait que tu veuilles pas te faire spoil. J'espère que t'apprécieras bien le jeu en tout cas. Alors est-ce qu'elle est partie l'autre? Non, ok, elles sont encore là toutes les deux, donc on a un tour à tenir sans que les harpies ne nous embêtent.
partie, il va falloir que elle fasse le taf là. Merde. S'il te plaît, Chobiti. On n'a pas dit s'il te plaît, donc elle a raté. Là, on va. Non, ils sont pas encore arrivés. On a le temps de s'occuper de cela. Canton, c'est pareil, il va falloir nettoyer la route pour passer. Plutôt de ce côté-là. Oh ! J'ai raté. Coup dur. Y a pas d'ennemis qui se baladent tout seul par là, non, c'est bon. Enlevons un petit peu par là. A bientôt Player One, merci. Bon, j'imagine que t'es plus là, mais merci du coup. tiens, y'a une harpie qui est ressortie là-bas. Allons s'en occuper. Non, oh, tellement de portée avec ce truc. 10 de portée, allez. Bim! Oh non! Mais non! Ah, le 2 PV! C'est terrible! Pourquoi je te vois pas, toi? Ah non, c'est parce que c'est pas que je te vois pas, c'est que t'es trop proche. Plus un point d'action, parfait. Du coup, t'es trop proche, on va te tuer pour la peine. Alors attention, il y en a un qui s'approche là. Je pense qu'on va même se permettre de l'entamer. Ou bah de le finir. Pourquoi pas. Alors ici. On va essayer d'utiliser un max l'initiateur. Alors faut que je me rapproche pour avoir plus de cibles. Pas mal. Alors ça par contre c'est nul, mais nul, mais squash quoi. Tu les as tous laissés survivre avec 2 PV. C'est scandaleux. Franchement c'est scandaleux. Tu devrais avoir honte. Quelle est une petite flèche sympa là, peut-être ce truc là que j'utilise pas souvent. Ouais bon. Je pense qu'on va aller mettre du poison plutôt. Prends de portée, sérieux? Ah il faut que je m'éloigne là. Tu ne te plies pas, mais standard du combat. Les standards genre tuer des gens Ok, on est bien. Elle va nous rejoindre. Mmh. Un coup dur là. Les moins 20% de dégâts là. Sur Chobiti. Alors ici, comme prévu, l'archer nous a touché. Mais pour l'instant, notre vie ça va. C'est un peu juste, mais ça va. Tu travailles sur le mental aussi. Ah, c'est donc ça. On va faire 78 à 89. Ouf, coup critique qui pique. Ok, bon bah du coup on n'utilisera pas plus l'initiateur, mais c'est pas grave, ça a fait le taf. On va tuer là. Tuer là. Très bonne portée quand même, hein. J'avance un peu, mais si j'avance, je vais perdre en portée, donc on va avancer deux fois. Voilà, et on a regagné. On a plus de régène de mana, mais ça, c'est pas hyper pertinent. Ils sont déjà morts une fois, oui, ils sont effectivement pas ultra frais, on va pas se mentir. C'est vrai que j'ai ma compétence gratuite là, qu'il faut pas que j'oublie. Ce serait quand même dommage. Ok, on est parfait là. Lui il va certainement avancer, il a peu de chances qu'il passe par là, donc on va le voir au prochain tour. Chobiti, il faut que tu nous nettoies cela. Alors déjà enlève l'esquive de là. Parfait. Ici tu tues s'il te plaît. Non tu tues pas, bon tant pis. Du coup, hop.
tu veux pas, hein. Tu veux pas les finir, hein. Je vois, je vois, je vois. Là, il y a de l'esquive enlevée. Un dernier. Et ça nous laisse la place pour un projectile magique. Ah zut. Hop. On a regagné un point d'action, il y a lui qui a apporté. Et on a notre truc gratuit. Ok, pas mal. On va avancer un petit peu, plutôt par là. Il reste Canton. Canton. Il défonce. Il n'y a pas d'autre mot. On l'a manqué lui, dommage. Ici on pourrait aller mettre une grosse tatane. Voilà, parfait. Et il nous reste assez de mouvement pour aller tuer lui. Et être relativement protégé. Ok, elle arrive là, ça va être pour Broodaf. Broodaf qui est peut-être pas le plus adéquat pour ça. Malheureusement. Ah, il y en a une saloperie qui a popé là. Par contre, on aille la chercher. Ok, nous débuff Canton, c'est pas gênant. Canton qui, attention, a pris 4 dégâts. Ouh, ça déconne plus les 4 dégâts sur Canton là. 4 dégâts d'armure, bien sûr. Alors, on va utiliser ce qui fait le plus mal, à savoir ça. Alors, faut passer les armures, c'est le premier problème. D'ailleurs, elle a un petit peu d'esquive, on va lui enlever, parce que si on rate un coup, ça va être relou. Donc on a plus deux trucs, on est parti. Hop. Ça a fait le taf, on a fait quand même du dégât. On va retaper, on n'a pas réussi à la finir en un tour, mais quand même, on a fait bien mal. Ici, il va falloir qu'on aille s'occuper de celle-là. Ce qui veut dire qu'avant, on met du poison là-dessus, voilà. On va les endommager au maximum, dommage on en a tué un. Juste pour qu'il se déplace pas trop. Et notre tir puissant, la portée c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il faut qu'on s'approche beaucoup quand même. Ouais, on est trop loin quoi qu'il arrive. Okay. Après on peut se téléporter. Je pense pas que ça. Oh, ok. Ça vaut pas le coup. Du coup il nous reste un point. Dommage ça. Est-ce que ça vaut le coup de cramer du mana pour se téléporter pour utiliser un point d'action? J'ai presque envie de dire que oui. Parce qu'il y a quand même du monde. Ouais non, la harpie est pas là. Lui va crever avant d'arriver au mur. Les autres ils sont loin. C'est pas la peine de s'exciter. Ouh, il y a un trou là. Qui lui permet de caler ça. On a déjà plus de points d'action, sérieux? Ce qu'on peut faire, c'est reculer et balancer un petit marteau de la foi qui va les stun là, ou le tuer, hein, éventuellement. C'est également une possibilité. Et il faut qu'on aille par là-bas pour nettoyer un peu. Alors, Chobiti. Voilà, donc tu nous tues ça, tu nous tues ça, tu nous tues ça. Tu vas aller ici. Enlever de l'esquive là-dessus. Du poison. Du poison. Ok, tu recules. Bon, il nous reste encore une harpie et demie à tuer. On va prendre cher, ça va. Ils nous boostent ça. Ah, à deux de mouvement, ils vont peut-être nous atteindre. Ah, ça va, ils sont obligés de faire des tours. Ouh putain, là par contre ça pique. Broodaf qu'encaisse là. On a passé le premier niveau de blessure, c'est pas bon parce que ça veut dire qu'on va perdre un peu de mouvement, ça va, c'est pas si pire. Il faut qu'on recule par contre. Il faut finir cette
saloperie, passer son armure, il a tué, parfait. Le coup critique qui fait plaisir, ensuite on va ventiler à coup de foudre. Voilà, ça vous apprendra à vous approcher. Et à me taper dessus au passage. Bon. Qui c'est qui va jusqu'au mur là? Toi tu vas jusqu'au mur, toi aussi. On va essayer de... Ah, t'es hors de portée. Bon, contre lui. On s'occupera de ceux qui s'approcheront au prochain tour. Alors ici, on vient par là. Ok, ça fait le café. Est-ce qu'on a une petite flèche à mettre là? Pas mal. Du poison peut-être sur celui-là. Un tir puissant là. Oh, le 600 de dégâts. Mais oui Squash, fais-toi plaisir. Alors, Chobiti, tu peux balancer un petit tir puissant là-dedans. Lui va crever du poison, pas la peine de s'emmerder. Cours par ici. Ça. Ok, ça fait le taf quand même. Alors, toi t'es un petit peu coincé. Tu pourrais lancer un sort, mais ça serait mieux par ici. Donc viens là. Crame-nous ces gens à mort. Assomme cela. Et après, voilà. La petite harpie là. Ça va la calmer un peu. On va revenir dans la foule. Finir ces deux-là. Pas de demi-mesure, non. Clairement pas, Squash. On est là pour défoncer. Ici, on va se prendre une attaque potentielle. De qui ? De ce petit griffeur. Va se replier. Parce que si la harpie nous met un 20% de dégâts de mouvement, ça peut piquer quand même. Et on a déjà la vie qui est un petit peu endommagée. Allez, la dernière. Ça se passe super bien. Honnêtement, dans mes let's play, enfin dans mes tentatives d'avant release, ça se passait en général à ce niveau là, ils avaient déjà pété les murs, ils avaient pénétré dans le truc, j'étais en stress de tuer les dernières harpies le plus vite possible. Pour l'instant ça se passe bien. Alors ici on a une boule de feu là. On va garder un peu de mana parce que si la harpie apparaît de ce côté là, ça peut foutre un peu la merde. Il nous reste notre attaque gratuite, mais on est trop loin, pas pour lui. On va se recentrer un peu. Ouais, on va se recentrer un peu. Alors ici, alors ça c'est les saloperies hyper résistantes. On aurait quand même potentialité de tuer. Mais avant, on va utiliser nos... Ah putain. On les one shot avec un truc qui est censé faire 84 dégâts quoi. Squashy, franchement pas là pour déconner hein. Une fois de plus là. On a déjà tué tout le monde, il reste encore 3 points d'action. On va mettre un peu de poison sur les gros tas. On va leur mettre un dernier multicoup. Et on se replie. Bah, tranquillement là. Voilà. Alors ici, bim. S'il te plaît. Voilà, ça c'est fait. Ici on va prendre l'épée. Oh, pas cool ça. Alors il va falloir qu'on aide un petit peu Chobiti, donc on va lancer un petit truc comme ça, un petit marteau. Ah ils sont trop loin pour un petit marteau, dommage ça. Non, pas de panique Chobiti, tout va bien se passer. Probablement. Il y a lui qui fait chier. Voilà. Utiliser ta compétence gratuite toi non
ça permettra pas de passer. Ça permet de faire un petit peu plus de dégâts mais pas de passer. Donc là c'est mort, là c'est mort, là c'est mort. Ok, donc il nous reste ça à gérer. On a plus de points. L'archer est mort, c'est le principal. Il viendra pas nous faire chier. Maintenant, où est l'harpie? Où est la surchomiti, l'harpie? Oh, la tôle surchomiti. Ouf. Canton, va falloir te dégager et aller aider là. Ok, on a pris notre premier coup de griffe sur le mur, ça va. Sachant que si on tue la harpie, c'est terminé. Hein. Donc déjà on va lui mettre un gros debuff. Hop. Les tirs puissants, comme on peut. Du poison. Faut aussi qu'on pense à nettoyer un peu ce qui se passe. Puis tu vas reculer, Chobiti. Alors, Canton. T'es coincé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, t'es trop loin. Mais on peut quand même peut-être gagner comme ça. Ouais, voilà, on peut y aller. Allez, go. Alors, déjà, on a vachement avancé. Donc, on va prendre voilà, les 600 dégâts de l'inertie. Bim! 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 On a plus de points d'action! Non! Et bim! Et bim! T'es morte! T'es morte, harpie! Alors, avant qu'elle meure. Occupons-nous des copains. Là, on a un bel éclair à faire, là. Parfait. Oh, les coups critiques de Broodaf, ils font plaisir quand même. Il y a une petite saloperie qui essaie de se faufiler là, mais on s'en occupera même pas puisqu'on va gagner très clairement. Allez, on bute la mini harpie ici et ensuite là. Ah, et bim, dans sa mouille. Ça lui apprendra à faire du mal à Chobiti. Bon bah passé, première tentative. Et moi qui pensais que l'harpie n'avait pas supprimé, survécu à la brume, mais j'étais sympa avant. Bon boulot, je pensais pas qu'on survivrait au harpie. Content de m'être trompé. On a même pas. On a pris un coup de griffe sur le sur un mur quoi. On va voir si la brume survit à ça, et si je survis aussi. Une vague de puissance écrasante est en approche. Prêt. Maintenant. Le jour point sur les collines brisées de Gildenberg. Ses premiers rayons dansent sur des plumes ensanglantées. Mais aujourd'hui, un éclat lumineux scinde l'épaisse masse violette. Le bastion baigne dans un éclat rassurant. Le sceau est détruit. Les derniers membres de la civilisation peuvent espérer à nouveau. Le dernier sort est proche. C'est bon, on est sauvé. On a réussi, pas vrai? Pas vrai? Squashy cunu quoi. Pas encore. Nous avons fait notre part, mais les autres bastions doivent encore briser leur sceau. Vous n'êtes pas sérieux? Et c'est la victoire! Et on a déverrouillé les succès Curie de Harpie en passage. Bon bah squash propre hein. On a réussi de premier coup. 8 coups critiques en un seul tour, donc ça veut dire qu'on a fait au moins 8 actions. Non bah on peut avoir fait du multi-coup.
80 de mana. Un héros a dépensé 40 de mana. Charge. Inertie déclenchée après avoir traversé 10 cases. 20 cases parcourues à l'aide de compétences. Coup de barre. C'est 50 ennemis. Des altérations sur 50 ennemis. La population n'a pas du bastion n'a pas paniqué. Nuit 7 ou plus tard. Javel. Ah, on a mis poison sur 20 ennemis. 20 compétences fournies par des consommables lancés. Caneton, franchement, qui a défoncé avec ses parchemins là. Meurtri, on a perdu 52 vies. Bah ouais, Chobiti qui s'est pris une petite fessée au dernier moment là. Et on a survécu à la nuit finale de Guildenberg. C'est le GG. Brodaf aussi qui s'est fait surprendre par une charge d'ennemis buffée. Bon bah j'espère que cette première tentative réussie vous aura plu. On va voir pour enchaîner. Squash, je te vois sur le Discord de Xebus. Alors, on a quand même quelques petits hauts faits à récupérer. Voyons voir. Et réjouissez-vous, Terremer, car je viens les bras emplis de présents. Nous avons gagné! Tes actes héroïques méritent louange, mon enfant. Nombreux sont ceux qui verront un autre jour grâce à ton courage. Je prédis que les bêtes immondes tomberont encore et encore sous les saintes lames de tes soldats. Ta quête ne fait que commencer, non seulement dans cette orbe, mais aussi dans ces myriades d'échos. Les flots magiques ont bougé, mais je sens qu'un autre bastion est dans le besoin de ta main aidante. Alors, on a débloqué Lagbourg, le deuxième bastion. Et on a débloqué plus de talent dans nos armes de talent. Et on a aussi débloqué variation de marteau, parce qu'on a dépensé 200 points d'action sur des marteaux, 200 points d'action sur des baguettes. Et on a encaissé 500 dégâts avec la résistance grâce à Caneton, qui est... Franchement, je pensais pas que c'était possible de tanker autant. Il y a certainement des équilibrages qui ont dû être refaits avec la release, parce que j'ai jamais réussi aussi pépère cette partie quoi. Et on a encaissé 500 dégâts avec garde au passage. Et donc là, après, c'est la nuit 4. À la nuit 4, on débloquera la voyante, ça c'est cool. Parfait, voyons un peu ce qu'on nous propose de ce côté-là. Bienvenue dans l'oraculum, commandant. La victoire est mienne. Tu as clairement remis ces vermines emplumées à leur place, pas vrai? J'admire ta méthode, mon cher. Je vois une touche artistique avec une palette de sang et de viscères, des armes pour pinceaux et des ruines comme toile. Sans oublier leurs succulentes essences, je dois te remercier pour cette délicieuse gâterie. Alors, poursuivons notre petit arrangement. Engage ma bonne volonté, je répondrai sincèrement à ta prochaine question. Choisis avec sagesse. Alors, on peut avoir le fabricant d'armure, le fabricant d'armes, les murs en pierre, qui sont plus costauds, mais qui cachent la ligne de vue. Donc, on peut plus se mettre derrière, donc à prendre avec parcimonie. Les balistes, qui sont un must-have. Et après, on a les bonus qu'on a vu tout à l'heure, on pourra débloquer les dagues, les pistolets dont je suis pas fan, débloquer les arcs longs, les orbes magiques, que je connais pas trop, infection, 1-8 de portée, de base moins 10 de vie comme truc de base, c'est pas ouf, la sphère putride, ok, qui met des poisons de zone, et le rayon de la mort, 114 à 146 de dégâts de base en ligne, ok, avec... Très peu de portée par contre. Donc faut vraiment qu'on ait une grosse ligne d'ennemis à tuer, ça arrive pas si souvent. On pourra avoir des nouvelles potions. Une potion qui rend des points d'action, une potion qui rend du mouvement. Ou plein de présages. Ok. 8700 écoute celui-là. Mais 12 de mana et 3 régènes de mana quotidienne comme présage, c'est sûr que ça joue. Hein. 80 matériaux, 30 d'or. Les héros ont le talent déni de mort activé. Quand un héros est tué pour la première fois, il reste à 1 de vie et invincible jusqu'au prochain tour ennemi. Ok, bon, ouais, je suis pas ouf comme. J'espère faire en sorte que mes héros ne meurent pas. Bon, clairement la baliste. Le retirage du magasin, non. Fabricant d'armure et fabricant d'armes. Qui nous débloque quand même pas mal de bâtiments. Les murs en pierre, pour l'instant, je vais pas les prendre. Ça c'est très très fort ça, on va prendre.
On peut même prendre le niveau 2. Hop. Et un petit bonus de dégâts. Ouais, ça me paraît pas mal déjà. Est-ce qu'on débloque 10 d'armure pour 300 ou les dagues? Plus 1 de mouvement, 3% de critique. Attaque sournois, c'est de la mêlée. Jet de dague, un 4, c'est pas mal. Hein. Dague de poison, c'était le parchemin qu'on avait. On a vu que c'est quand même assez utile. On va débloquer les dagues. Et on va se retrouver sur la carte de nouveau. Et donc on a accès à la deuxième carte. Donc pour l'instant, on a réussi à débloquer le niveau d'Apocalypse plus 1. Qui donne plus 20% de vie aux ennemis. Mais on va rester en difficulté de base pour l'instant. Alors sur Lagbourde, on peut prendre 5 présages. On en a 4. J'en ai débloqué aucun. Donc bah on va en prendre 4 du coup. Est-ce qu'on peut... non, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut accéder à l'Oraculum d'ici? J'aurais pas assez pour débloquer juste vite fait un petit présage à la con. Avec 139, oh, ça m'étonnerait. Je sais qu'il y en a qui coûtent 300. Celui-là aussi coûte 1700, les ronds ont 50 de vie et 10 de régène. D'accord, ok. 500, 800, 500, 4000. Ah oui, le déni de mort. Plus de thunes, c'est 1000. Présage de marteau. Les marteaux apparaissent plus souvent. Tiens, c'est marrant ça. 4300. Le piège des ruines et des cadavres donne plus 20% de ressources. Ah oui. Ah, j'aurais peut-être pu en prendre un pour en avoir suffisamment. Mauvais calcul. Bon, je savais pas. C'est comme ça. Alors, on peut tout à fait refaire Guildenberg autant de fois qu'on veut en changeant les présages, voire même en n'en prenant aucun. On peut tout à fait faire les parties en prenant zéro présage, si on le souhaite. Ça... Ah, il faut choisir une apocalypse par contre, donc difficulté. Et là on a quand même 20% d'essence impure en plus, histoire de compenser. Mais on peut commencer la partie en ayant zéro présage, hein, pas de souci. On va quand même aller voir ce que nous propose Lagbourg. Du coup on peut en avoir que 4, bah on va en prendre que 4, hein, puis c'est tout. Hein. On va se mettre en difficulté de base, et c'est parti. Les emplacements de pressage restent inutilisés sur ce bastion, bien qu'ils pourraient nous aider à atteindre la victoire. Il peut s'agir d'une omission ou faire partie intégrante de votre plan. Devons-nous poursuivre? Alors on pourrait faire une nuit à Guildenberg pour en débloquer un, mais non. J'ai envie de voir un peu comment on s'en sort avec 4 présages. Les bonus des présages, ils sont pas dégueux déjà. Hein. Plus 1 de mouvement, plus de vie, plus d'essence impure, plus 8 de mana. C'est pas mal, hein. Alors, la map. Ok, ici visiblement ils pourront arriver de tous les côtés à la fois. Ici on a de la flotte qui nous protège, on va dire, mais pas des volants. On a déjà une vague de 2 qui va arriver là, mais on a des grandes portes par contre. Qui font 450, sachant que un mur de pierre renforcé c'est 450, donc là c'est 450 pour 3 cases. C'est un peu faible, et la brume est hyper proche pour commencer. Ok, très bien. À ce rythme là, au bout de la nuit 3, ils vont être collés à nous là. J'imagine que ça doit être pour introduire la voyante assez rapidement. Ok, bon, voyons ce qu'on a. Layla. Layla qui commence avec une hache rouillée. Qu'est-ce qu'elle fait de beau? Cordon bleu, 20 de vie, 10 de régène de vie, mais moins 5 de dégâts. Ok. Pas mal. Plus un emplacement de sac, bien, et elle est nudiste. C'est pas vrai. Mais j'ai une malédiction là-dessus, quoi. J'allais dire, elle va faire un excellent tank, mais elle commence sans armure, quoi. Est-ce qu'on peut tanker sans armure? Je sais qu'on peut, je l'ai déjà fait avec des persos, mais il faut qu'on ait de l'équipement vraiment de qualité, quoi. Bon, Alessia, druide, 50% de soins reçus, 15 de poison, moins 30 d'armure. Ouais... 50% de soins reçus en plus et 8% d'opportunistes. Elle est nulle. Les soins reçus, ça, enfin, pas que ça sert à rien, mais franchement, il y a tellement de trucs mieux, quoi. Bah, si on la soigne, elle est soignée de 200%. Mais le moins 30 d'armure, le moins 8% d'opportunistes, alors qu'elle met du poison. Opportuniste, c'est quand on tape sur ceux qui ont des effets d'altération négative. Donc, on fait moins de dégâts quand on tape sur quelqu'un sur lequel on a mis du poison, par exemple. C'est pas ouf, là pas ouf ce perso. Et ici on a quoi? Magicienne, ça c'est plutôt très bon. 10 de régène, 2 de mana,
et moins 10% de résistance. Elle est très bien. Surtout pour une mage, le 10% de résistance est carrément acceptable. Au niveau des talents, alors vous voyez maintenant on a plus de talents, donc on a toutes les colonnes de rempli. On a gagné un talent visiblement autour du poison et un talent autour des altérations sans doute, avec la petite flèche vers le bas. Regardez vite fait. Alors elle, elle a la fatalité, ça c'est bon ça. C'est très très bon ça pour un corps à corps. La visée stable ça servira à rien. Bon ça va être notre temps, donc on va probablement partir là-dessus ici on a quoi. Lorsque poison est appliqué à une unité empoisonnée, 50% de chance d'étourdir. La hache fait quoi? Oh, une petite attaque de zone, ok. Avec de l'opportuniste, crée un témédant qui fait un debuff. La hache boomerang. Oh, ils ont amélioré la hache boomerang, non, ça faisait juste un schéma comme ça là. Maintenant il y a les deux caisses sur les côtés. Ok, et le coup de poing, classique. Et on va même pas avoir de compétences d'armure à utiliser parce qu'elle a pas d'armure quoi. Voilà. Bon, ça va être compliqué de tanker avec, mais si on trouve des bons casques et des bons pantalons, c'est pas impossible. En compensant l'armure avec la régène de vie. Je crois qu'elle a un petit bonus de régène de vie. Ça peut passer. 15% de chance d'étourdissement. Donc ça on a dit, la leçon de potion, on verra. Plus de mana peut-être. Le contre épineux. Ça enlève de l'esquive, ça c'était pas le cas avant. Mais ça fait que quand on la tape, elle inflige automatiquement des dégâts. Si Canton il avait eu ça, il aurait fait avec la garde qu'il avait genre 100-150 de dégâts à chaque ennemi qu'il tapait. Autant dire que tous les ennemis qu'il tapait seraient morts direct. On va lui prendre de l'XP parce que clairement il va falloir qu'on compense avec des talents et autres. Donc on va sacrifier ce talent là pour aller en chercher éventuellement plus à la fin. Et notre tireuse, elle a la fatalité, ça lui servira moins. Elle a la persévérance, c'est dommage. Elle a la garde épineux. Ah bah cela dit, ouais non, elle peut pas tanker. Elle. Avec son soin là, et son malus d'armure. Qu'elle pourrait faire un tank, hein. Elle a la coagulation, elle a la fatalité, elle a la garde épineuse. Donc ça pourrait être pertinent que elle, on lui file l'arc parce qu'elle a la visée stable. Le problème c'est qu'avec son malus d'armure, est-ce qu'on peut le compenser? Est-ce qu'on peut le compenser? Peut-être quand même plus facilement que là, hein. Alors on va regarder ce qu'elle a d'autre. Là, ici, elle a un truc avec un marteau. Quand le héros est adjacent à un bâtiment, plus 25 d'armure. Ah! Les ennemis tués par des défenses donnent de l'expérience bonus à ce héros. Ok. Réapprovisionnement des pièges pour restaurer une charge aux pièges proches. On n'a pas de piège pour l'instant. Baliste humaine. A la fin de la phase de mouvement, le héros attaque automatiquement les deux ennemis les plus proches avec la compétence carreau de baliste humaine. Wouah! Bah oui, bah non, mais ça va être elle notre tank. Tant mieux pour les 30 d'armure. Le soin, ça pourra éventuellement la soigner si on lui prend un vampirisme ou un truc du style si elle l'a. Bon, elle l'a pas. Chaque fois qu'une unité prend des dégâts de poison d'une portée de 5, restaure 2 vies. Bah ouais. Ah bah ça va être elle notre tank, on va inverser tout de suite les compétences là. Tant pis pour les dégâts de poison, on trouvera un truc pour faire du poison mais... File ça. Non pas toi. Toc, toc. Hop. Alors est-ce que vous êtes intéressé pour avoir une Alessia, alors une Samara ou une Layla? Donc on a une tireuse. Un tank un peu fragile pour l'instant mais qui va s'améliorer. Et une lanceuse de sorts. Avec un tome des secrets. Par contre, il n'y en a aucun qui a la moisson. Si, toi, t'as la moisson. C'est très très bon la moisson hein, pour augmenter la régène de mana. En tout cas, on a vu l'essence explosive squash les attaques à 600 de dégâts, 650 de dégâts. Ça fait plaisir. Bon bah c'est pas tout ça mais il va falloir qu'on se défende hein. Et on est quand même très proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais. On est quand même très très proche. Alors toi tu vas te mettre là, t'auras une vision quand même pas dégueulasse. Tu veux pas être les fesses à l'air. Bah écoute on a juste un nudiste. Mais t'as droit à un pantalon quand même. Si ça peut t'aider. D'ailleurs on va inverser là le pantalon usé. On va te filer le pantalon en fourrure à toi. Un peu plus d'armure, bon ça suffit pas à compenser mais...
13% d'esquive, c'est quand même pas mal. Après, si on lui met garde épineux, faudra pas qu'elle esquive, hein, puisqu'il faut qu'elle fasse, faut qu'elle se fasse taper pour que ça s'active. Donc est-ce que je te redonne le tank, hein, Ganton, qui va peut-être être un tank un peu différent du tank précédent, mais... qui va, je pense, être viable, hein, quand même un bonus de dégâts pas dégueulasse pour commencer. Alors, toi tu vas aller là. Notre corps à corps, pour l'instant, il est très fragile. Donc on va le mettre assez loin. Et Samara, tu vas rester derrière aussi. On va voir un peu ce que donne cette première vague. C'est encore l'heure de la diplomatie. Cette phrase excellente. C'est encore l'heure de la diplomatie. Bon, toi tu vas nettoyer ce qui est loin. Ici c'est un peu trop loin. Allez, allons-y pour le tank à pointe. Kenton. C'est vrai que la barre d'espace ça active le truc. Alors là du coup ça, ça fait une ligne comme ça. Donc si on va ici, on peut taper tout ça. Et on a des dégâts d'opportuniste, donc si on fait un cri intimidant. Intéressant. Ok, c'est intéressant à utiliser. Alors là, il y en a qui sont un peu planqués. Toi, tu peux plus rien faire malheureusement. Tu peux mettre un coup de poing. Vas-y, mets un coup de poing. Et recule. Alors, à ton tour de nettoyer un peu. Pas mal. Bon, c'est pas mal comme premier tour. Je pense que Kenton est un chouïa proche. On va voir. Oh, ça va, il n'y en a qu'un au contact, et en plus une rate. Pas de pression. Et bim. Alors la fatalité, hein, nous permettrait de terminer ces trois là typiquement. Ce serait fort pratique. Ici il y a une saloperie un peu lointaine là. Ah, il y a le poteau qui nous gêne, sérieux. Il va falloir qu'on lui trouve autre chose, lui, pour utiliser ses points d'action, parce que ça va être assez chiant sinon. Allez là. Poison. Comme à chaque fois dans une nouvelle ville, hein, faut se réhabituer au fait que bah, on est des piou-piou. Et salut Broudaf, bienvenue sur le live. Ah, t'as raté les exploits de Broudaf en fin de partie précédente là. Il a clairement fait le taf. Venir jusqu'à nous. Toi tu vas te décaler par ici. Ah ouais, le double baguette, on lui a filé un petit tome des secrets en bonus là et il a bien dépoté. Hein. Ah ouais, je sais, il me reste un point d'action, mais c'est comme ça. Ok, on encaisse un peu, ça va. Alors ici, votre saloperie qui nous bloque la vue là, qui est pas mort du coup. On a 13 hein, de régénération de mana avec lui, donc on va se faire place quand même. Voilà, ça c'est propre. Un petit cri ici.
un petit coup de hache, un petit coup de hache. Bon, il y a lui qui résiste, mais il atteindra pas les murs. Là par contre, on est un petit peu sous pression. Putain, lui il fait chier. Ça avance à diminuer les mouvements des ennemis, et je trouve que c'était plutôt pertinent. Parce que là du coup, c'est compliqué quand même. Hein. Avec juste l'arbalète à une main... Aeron s'est pas déplacé, toi... Voilà, si t'as pas besoin de te déplacer... C'est que t'as pas besoin de te déplacer. Hein. Alors, ici on va pouvoir gérer ce qui reste. Assez aisément. Oh la vache. La tristesse de devoir utiliser tout ça. Bon, ils sont tous sortis donc on peut se permettre de s'approcher. Tu peux mettre un coup de poing là. Qu'est-ce qui fait plus mal? 66,99. Ouais. J'ai utilisé deux fois ça, mais bon. Je vais être obligé de cramer du mana, là j'ai pas le choix. Mais normalement il se déplace plus. On peut tuer un peu par là. Bon. Première nuit, on va voir le mur qui prend. Pas hyper fan, mais. Bon, c'est pas gravissime non plus. Du poison, lui on va le finir. Ok. Et maintenant, je mérite une bière. Canton, il a bien compris le principe. 1000 pour la première nuit, c'est pas mal. Merci pour le trinquage, Broudaf, j'ai bu mon petit coup. Nuit terminée en moins de 2 tours après l'apparition du dernier ennemi. Ah ok, ça passe comme bonus. Ok, ça reste tout aussi proche, ça a pas progressé. Bon, c'est déjà ça. Alors, ici c'est pas la même, hein. On a zéro défense sur ce flanc. On a assez de puissance impure. Et encore, Broudaf, mais dis donc. Tu vas me faire boire. Alors. Elle a dit qu'elle répondrait à notre prochaine question. On lui demandait de nous parler de l'autre. Ah, elle. Aucune envie d'en parler. Tu vas-tu faire affaire, oui ou non? Oh là là, elle nous arnaque. Elle avait dit qu'elle nous en parlerait, quoi. On va peut-être se débloquer quelques présages, du coup. Voilà, un petit présage comme ça. Des fois qu'on perde assez vite, au moins on en aura un nouveau. C'est peut-être Broudaf qui a soif. Hein. Ça se trouve, à chaque fois qu'il boit, il me fait boire. Ce serait bien son genre. Alors toujours pareil, hein, il nous reste deux persos à nommer. On a Layla l'archère et Samara la jeteuse de sorts. Qu'est-ce qu'on a comme objet? Un casque. Alors si on trouve un bon casque pour tanker, ça peut être pas mal. 20% de soins reçus. Faut arrêter avec les soins reçus là. 10 de vie et 3 de garde, ça c'est pas mal. Mais on a que 3 de résistance. Et la régène de mana quotidienne est quand même pas dégueulasse, le dégât du poison, il est pas mal, hein, il est pas mal. Les soins reçus, c'est un peu chiant, mais ça pourrait être pas mal pour elle, quoi. On va regarder les niveaux, du coup. De la garde ou de l'armure? Bah, hey. C'est pas pertinent. Encore plus de garde, bon. Bon allez, on va peut-être le prendre une fois, mais c'est cette fois-là. Opportuniste, régène de mana. On va prendre la régène de mana. Ah, qui tu veux, John?
Est-ce que tu veux plutôt tirer à distance ou lancer des sorts? Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Hein. Ça arrive assez souvent qu'on mette plusieurs fois du poison. Je pense que ça peut être pas mal, hein, le choc septique pour elle. Ok, donc tu seras Layla. Hop. Avec une jolie moustache. Ah oui, comme ça. John Apis. Tireur de litre, exactement. Alors est-ce que du coup ça a activé le mode turbo? Non, ça va. Kenton, il faut que tu nous fasses un bon tirage. Je relance un bon tirage. Voilà, un bon bonus d'armure. Ça c'est pas mal ça. 40 d'armure. Tu vas commencer à compenser un peu. L'armure, c'est ce qui va être hyper important. Enfin, la résistance aussi, cela dit. Mais l'armure, il faut que les ennemis te touchent, donc il faut qu'ils te tapent. Donc il faut que bah tu arrives à survivre quand ils te tapent. Un peu de régène de mana pour lancer. Dégâts de poison, dégâts magiques. Ah, c'est nul. Bah, du coup, tu vas prendre l'XP. Et la coagulation ou la fatalité. La fatalité pour l'instant. En plus, t'as ce truc-là qui permet d'avoir un bon bonus de mouvement. Ça permet d'aller tuer des ennemis au corps à corps, gagner du mouvement, etc. Mais ça c'est... Je sais pas si la fatalité joue, on testera. Si ça compte comme une attaque au corps à corps. Exécute les ennemis presque morts, vous leur rendez service, vraiment. Ah, ça bâche dans le chat, je vois. de la précision, des dégâts. La réduction de résistance supplémentaire, déjà 50% avec la magie. Allez, tu seras notre critiqueuse, toi. Bah voilà, de la puissance critique, c'est parti. Et en talent, est-ce que t'as canon de verre ou pas? Non, t'as pas canon de verre, c'est dommage. Le sprint buff, la croissance de mana, ouais, la persévérance qui est pas mal, hein. Le poison, c'est pas trop le thème. Des chances d'étourdir, on n'étourdit pas avec ça, avec nos trucs, non, on n'étourdit pas. Encouragement pour booster les dégâts d'un allié, ouais. Le saut de mouton, c'est pas pertinent non plus. La persévérance, c'est pas mal. C'est marrant, ils ont tous contre épineux cette fois. La dernière fois, il n'y en avait aucun qui l'avait, et là, ils l'ont tous. Ok, du coup, notre récompense de la nuit. Peut-être qu'un meilleur arc. En plus, on a des chances de critique avec. Maintenant qu'on a un petit peu d'armure, un casque, c'est pas mal aussi. Hein. Mais la régène de mana et les dégâts de poison, je pense que c'est quand même le top. On va prendre ça. Même si les soins reçus, bon bof. C'est quand même déjà pas mal. Bon, on n'a pas de quoi construire une taverne. Mais on peut faire un de ces bâtiments, genre le fabricant d'armure. Après, c'est pas mal. Oh non, ce qu'il nous faut direct, c'est le puits de mana. Par contre, ça, y a pas photo. On a deux ouvriers. On va virer ça. On pourrait avoir assez du coup pour faire une taverne si on voulait. Mais les deux bâtiments ultra importants à faire dès le début, c'est le puits de mana et le temple. On va faire le temple. Ah, il y a des barricades au milieu. On va faire le temple ici. C'est pas mal, c'est collé là. Donc le temple et les puits de mana qui vont nous booster le mana et la vie des héros à chaque nouvelle journée. Donc c'est quand même très très fort. Ici on va réparer ce qui est un petit peu encaissé. Voilà. Et puis bah, va falloir qu'on protège un peu de ce côté-là.
Avec des murs de bois du coup. Et une porte, pas devant la barricade de préférence. Donc là, ils peuvent apparaître que ici, sauf si on a des volants. J'imagine que les volants peuvent apparaître là. Et ce qui serait franchement pas très gentil. Mais est-ce qu'ils sont là pour être gentils, hein? Alors, une armure qui nous donnerait de l'esquive et de la vie. Bof. Un pantalon qui nous donne des dégâts à distance, des dégâts de poison. Ça serait pas mal pour notre tireur, mais bon, de toute façon, on n'a pas les sous. Les bottes cuirassées. Encore du poison, la vache, mais il y a un truc avec le poison dans ce run, hein. De la garde. Ah, le parchemin de dague de poison. Qui est pas mal. C'est du dégât physique en plus. 2 de mana. Pour Canton. Canton qui a 34 d'armure, 0 de garde pour l'instant. Ça irait bien si on avait ce truc là à côté. Ça vaudrait le coup du coup de booster le poison. T'avais pas des bonus de poison toi? Ouais, t'as des bonus de poison dans, dans tes traits. Ouais, avec druide. Du coup, Canton. Le petit parchemin de dague de poison, il est pertinent, hein. Allez, on prend. Et on peut prendre un deuxième tome des secrets pour que. C'est pas John, hein, non. C'est Samara. Et plus de points d'action, enfin plus de choses à faire avec ses points. Mais je suis pas fan. Dépenser 10 balles juste pour un truc comme ça, non, on va pas le prendre. On va équiper ici le parchemin de dague. Et puis bon, on est parti pour la deuxième nuit. Ah, on a des compétences gratuites à utiliser, c'est vrai du coup. Qui c'est qui a pas de mana? 37 sur 42, 39, 39, 35, 35. C'est pour toi, John. Un petit peu de mana. On doit tenir combien de nuits ici? 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nuits. Ouh. Ah oui. Tout le monde est full life. Tout le monde est full life. 12 nuits faut tenir. Vache. Alors John, mets-toi ici un peu protégé. Canton. Ça c'est. Ça on peut marcher dessus ça. Hein. Donc attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est trop loin là, non, il va falloir qu'on te mette ici. Et toi t'as 10 de portée avec ça, donc on va te planquer là. Ça, ça cache la vue ou pas? Non, ça bloque pas la ligne de vue, donc là tu vas pouvoir tirer sur toute la zone là. Je pense que c'est pas mal. Allez, c'est parti. On prend des risques, on se met proche, hein. Mais c'est pas grave, on assume. Ouh, on a plein de mecs qui courent et de volants. Et les volants apparaissent là. Pour l'instant, il n'y en a pas dans, dans le tas là, c'est plutôt pas mal. Alors, on pourrait commencer par une petite boucle de feu là. Voilà. Bon, ça fait le taf. Et là, on est parti. Est-ce qu'on leur met un petit debuff? Ouais. Aussi parce que le debuff fait qu'on tape plus fort. Hein. Et on peut reculer. On peut prendre un petit coup là. Je pense que je vais même me permettre d'aller par là parce que l'arbalète a pas une grosse portée, donc il faut être quand même assez proche des ennemis. Contrairement au tome des secrets là où elle se fait bien plaise. Parfait, on peut se placer là et caler une grosse hache et reculer d'une case pour permettre un petit truc comme ça. Les deux là qui veulent pas crever, on va les finir à la main. Non, il veut pas.
te plains pas qu'ils soient pas solides, John. Tu vas voir qu'ils vont devenir assez solides bien assez vite. Ici, on va mettre un coup de hache. Et on va reculer. Et donc à toi. Toi, tu finis ça. Tu finis ça. Ici. Alors, on va avoir un point qu'on va pas pouvoir utiliser de nouveau, mais tant pis. Hein. On va le mettre... Voilà, sur la compétence d'armure. Et du coup, on va peut-être commencer à se rapprocher un peu. C'est pas l'emplacement idéal pour laisser toute la puissance de la hache, quoi. Oh, sérieux. On va nettoyer un peu par là. Voilà. Ouais, faut faire attention de pas trop s'approcher, hein. Là on est un peu exposé, on va booster l'armure. A toi, il y en a qui essayent de se faufiler par ici. Voilà, moins 2 de mouvement, tu bougeras plus. Le banquier qui fait toujours plaise. Donc lui il est stun, parce qu'on lui a mis 2 fois du poison, ça c'est cool. Et lui il va avancer. Donc lui il est mort normalement, il va pas bouger ce tour là. Il devrait crever au prochain. Pas tout à fait. Bon, après... Ah putain, il est parti par là-bas l'autre. Ok, ici on a un petit peu encaissé. Faut quand même faire gaffe. Oh. Hop. Hop. Vas-y, affaiblis-les. C'est bizarre cette compétence, ça donne envie de courir taper sur les ennemis, mais c'est hyper dangereux en fait. Parce que du coup, on se retrouve en plein dans le tas. Tac, 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 et tac. Alors, il y a lui qui est un peu proche de nous là. On peut pas l'empoisonner, l'autre là-bas. Il est trop loin. Attends, il est même trop loin pour ça. Il faudrait que je m'avance par là. Ou que je fasse le tour. C'est un peu risqué. On va pas se mentir. Avec tous les gros tas qui se précipitent là, mais il va falloir qu'on y aille. Hein. Donc on va utiliser tous nos points là. Essayer de diminuer un peu le DPS que va se prendre elle. Qu'est-ce que je suis à portée là? Si j'avance d'une case, je peux balancer un brasier là-dedans. Voilà. Et après on va courir par là. Et on va essayer de gérer cela parce qu'ils vont arriver direct sur la maison. Putain la vache quoi. Il nous reste un point d'action. Qui a un point d'action? Ah oui, toi t'as un point d'action. Tue des gens. Et puis rappelle-toi par là, parce que visiblement c'est par là qu'il va nous falloir de la portée. Ok, il va pas taper sur la maison, ça c'est cool. Ça fait plaisir. Est-ce que tu les vois? Oui, vas-y. Allume. Tu vas faire pareil de l'autre côté, t'as plus de points. Okay. Ici, on y va aussi, bien sûr. Hein. On avance un peu. Ok, c'est fait. On peut tuer celui-là. Est-ce qu'on a éventuellement de la portée pour faire quelque chose? Pas grand-chose, malheureusement.
Peut tuer lui. Mettre un coup de hache. Mettre un coup de hache. C'est pas mal parce qu'on peut utiliser 5 fois la lacération dans un tour hein, quand même. Bon là il nous reste des points malheureusement. Mais on est trop loin pour faire quoi que ce soit. Ah Canton qui s'entraîne à tanker là. Hein. Ok, ça passe. Sa régène de vie est suffisante pour compenser les points de vie perdus. Blessé, on a perdu 25 de vie. Par contre, on ventile pas mal. Hein. Ça fait deux fois qu'on arrive à terminer les... la nuit moins de deux tours après l'apparition des ennemis. Oula, là, ça a avancé là. Et on a deux trucs là, deux trucs là. Ouh. Là on a un gros là, un objet, on prend. Et là on en a un autre. Un objet. Ok, on a de l'essence impure. Bienvenue dans l'oraculum. Ah, on peut leur poser des questions. Que sont ces essences impures? Une forme pure, sauvage et tellement délicieuse que vous, crédules humains, appelez magie. Née de l'orgueil, du désir, de la fierté, de la jalousie. Mais elle a été corrompue, tu as sûrement remarqué l'effet qu'elle a sur ces insipides êtres vivants. C'est plutôt divertissant. Certes. Du coup, vu qu'on galère un peu avec l'armure, on va débloquer les bonus d'armure. Oh, on peut avoir des épées à deux mains. Allons-y. Et des vraies arbalètes. Allez, c'est parti. On va diversifier un petit peu nos possibilités et on va arrêter l'épisode de VOD là, il est suffisamment long, si vous voulez dire au revoir dans le chat, n'hésitez pas, je bois un petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite, merci à toutes et à tous.